Mélanie, c'est maman. T'es où? Pourquoi tu décroches pas? Dis-nous, t'es, on vient te chercher. On est désolé pour hier. Allez, décroche. Rappelle-nous, ma chérie. Pardon, je suis vraiment désolé. Ça va? Vous êtes fait mal? Non, ça va, pardon. Vous êtes sûr? Oui, oui, ça va. Bon, ben... Au revoir. Au revoir. Monsieur? Bonjour, mademoiselle. Je peux vous servir quelque chose? J'ai pas beaucoup d'argent. J'ai raté mon train. Asseyez-vous. Je vais vous servir un petit verre d'eau. Merci. Merci beaucoup. Ouais, respirez, respirez. Merci beaucoup. Vous avez raté votre train? Oui. Vous n'avez pas de chambre pour dormir ce soir? Non. Bon, ben, je vais appeler ma fille, Billy. Merci. Il y a quelqu'un? Salut, je m'appelle Billy. Moi, c'est Mélanie. Je suppose que tu viens pour dormir, mais il y a un problème. On n'a plus de chambre dispo. Mais tu peux squatter la mienne si tu veux. Non, t'inquiète, ça va, je vais trouver un autre endroit. Tu trouveras pas moins cher, donc autant rester. Et puis tranquille, ça ne te dérange pas. Mais j'aurais préféré être seule, donc... T'en fais pas, hein, je t'emmerderai pas, je suis très discrète. Ça marche. De toute façon, il commence à faire nuit, donc j'ai pas traîné dans la ville, cette fois-ci. Allez, viens. Vas-y, assieds-toi. Merci. Sympa ta déco. Je suis addict aux films d'horreur. Surtout les classiques. Il m'a fallu du temps pour assembler tout ça. Attends, je te débarrasse. Bon, alors, tu viens d'où, toi? Je t'ai jamais vu dans le coin, mais je ne sors pas beaucoup non plus. Une petite ville à côté d'Orléans. Bah, c'est pas très loin. Et pourquoi t'es dans le coin? Bah, c'est compliqué. Et? C'est une longue histoire, laisse tomber. Tu veux en parler? Je suis pas une fouineuse et je saurais le garder pour moi, donc tu peux me dire. Non, mais t'inquiète, ça va. Ok, je respecte.
C'est un problème au lycée ? Franchement, je suis pas sûre que ça t'intéresse. Il se passe jamais rien ici, donc oui, ça m'intéresse. Ok, mais ça me gêne vraiment de t'en parler. On se connaît pas. Ouais, c'est vrai. Bon, je commence alors. Commencer quoi ? À me présenter. Si pour te confier, tu préfères savoir à qui tu parles. Billy, 17 ans, serveuse. T'étais pas au lycée ? J'ai été virée. Pourquoi ? Je suis pas faite pour les cours. Et les gens en général. Mais qu'est-ce qui s'est passé ? C'était grave ? Ça dépend pour qui. J'ai tenu 6 mois, ça m'a suffi. Mais ça va, c'est presque réglé. C'était un problème avec les profs ? Avec les élèves, plutôt. On n'est pas obligé de s'entendre avec tout le monde, hein. Mais pourquoi tu dis que t'as été virée ? T'es pas juste partie, en fait ? J'ai fait en sorte de me faire virer. Par rapport à mes parents, tout ça. Ah ouais, pas con. Eh ouais, il y en a là-dedans. Bon, j'ai assez parlé. Toi, dis-moi plus sur toi. Maintenant que tu me connais un peu... Ma vie est beaucoup, beaucoup moins intéressante que la tienne. Mais non, dis pas ça. Ok. Mélanie, 16 ans. Ah ouais, pas ouf ta vie. C'est court, quoi. Enfin, en ce moment, je fais une pause. C'est-à-dire ? Une pause ? Avec ma famille. Ah, ouais, je vois. T'as fugué ? Un peu. Donc, personne sait que t'es là ? Non, je fais une pause avec mes amis et les cours aussi. Et tu vas rejoindre quelqu'un ? Non. Pour l'instant, je me balade. Donc, personne t'attend ? Personne sait que t'es là ? Non, personne. T'en es sûre ? Oui. Sinon, j'aurais pas pu faire toute cette route. Personne t'a vu venir ? Non, j'ai croisé personne. À part ton père et... Tout à l'heure, j'ai vu un truc. Quand je suis sortie du train. Ah ouais ? Et... T'as vu quoi ? Je sais pas quoi faire, j'aurais dû appeler les flics, mais je suis pas censée être là. Il y avait des gens et quelqu'un s'est fait buter, putain. Et t'as vu l'assassin ? Non. Non, non. J'ai pas vu la victime non plus. Mais j'ai pas pu l'aider et... Et maintenant, il est mort. Je m'en veux, putain. J'ai juste vu ses vêtements. Il avait une veste noire et un foulard. Il l'a étranglé avec un foulard.